attention à Johan Koval au sprint, qui est certainement peut-être le favori aujourd'hui. Hugo Hay qui est devant. Johan Koval qui est deuxième, Benjamin Malati, Hugo Hay qui est en train de mettre le paquet actuellement pour essayer de lâcher tout le monde. Musique. Allez Hugo, effectivement, il n'a plus le choix maintenant. Il va falloir donner, tout ce qu'il peut donner. Voilà Hugo Hay, eh bien, qui pour l'instant essaie d'accélérer. Il le sait qu'Johan est, semble-t-il, le plus rapide s'il y est arrivé au sprint. Hugo Hay qui va essayer de livrer ses dernières forces dans la bataille. On va les voir apparaître dans quelques instants à 100 mètres de la ligne. Hugo Hay, l'homme du SBAC, va-t-il pouvoir aller coiffer les deux champions qui sont Benjamin Malati, Johan Koval. L'arrivée maintenant pour Hugo Hay, semble-t-il. Hugo Hay qui va aller décrocher cette victoire des demi-finales. Hugo Hay, l'homme du SBAC, qui va écrire son nom ici à Poitiers devant Johan Koval et Benjamin Malati. Quel podium, messieurs, dames. 30 minutes de course, quel podium, quelle course incroyable. Et la victoire de Hugo Hay. Allez, on va attendre eh bien, l'arrivée du quatrième et du cinquième avec sans doute Denis Maillot. Denis Maillot qui était aux côtés de Clément Anglada du Limoges Athlée. Alors, est-ce que Denis ou est-ce que Clément eh bien, va aller chercher cette quatrième place? Qui, en tout cas, des deux va pouvoir aller chercher la quatrième et la cinquième place? Allez, on scrute l'horizon. La centaine de mètres, la dernière centaine de mètres en tout cas. Avec, eh bien, c'est Clément Anglada du Limoges Athlée qu'on va pouvoir applaudir comme il se doit. Quatrième de cette épreuve ici. Clément Anglada, Limoges Athlétisme, devant Denis Maillot de l'US Saint-Julien, cinquième. Bravo Denis. Et enfin sixième, Yannick Dupouille de l'US Talence. Yannick Dupouille qui va chercher une belle sixième place. Et on trouve également Quentin Guillon également qui va aller chercher une septième place, l'US Talence qui va sans doute aller chercher une grosse performance par équipe. Johan Koval, s'il te plaît, au podium, de façon à vous libérer le plus rapidement possible.
Benjamin Malati, je l'aperçois, Benjamin. Tu viens rapidement au podium, s'il te plaît. Johan également, merci, messieurs. Cérémonie protocolaire de la demi-finale des championnats de France de cross élite masculin. Les médailles et les récompenses seront remises par monsieur Aurélien Tricot, adjoint maire chargé des sports de la ville de Poitiers, et monsieur Nicolas Turquois, député de la Vienne. Éric Rau, président de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine. Médaille de bronze de l'US Talence, Benjamin Malati. Médaille d'argent d'Ordogne, athlétisme, Johan Koval. Médaille d'or, il remporte cette demi-finale du Sèvres Bocage Athletic Club, Hugo Hay. Voilà, merci d'applaudir ce magnifique podium. Hugo Hay, Johan Koval, Benjamin Malati. On a bien sûr hâte de leur tendre le micro pour qu'ils nous donnent leurs impressions. Messieurs, s'il vous plaît, on va débuter par Hugo. Waouh, c'était... Il s'assoit, tu as raison. C'était chaud aujourd'hui, ça s'est bien battu. On a... Vous nous avez fait plaisir, vous êtes d'accord avec moi. Ils nous ont fait plaisir. Quelle belle course, quelle belle victoire pour toi. Ouais, c'était une super course, ils ont mis des grosses relances, c'était une belle course parce que c'était un beau duel, enfin, ils sont en trio, et voilà, c'est un plaisir d'être avec deux grands champions comme ça, et je sais qu'ils en avaient encore sur le pied, mais on peut laisser gagner, c'est sympa de leur part. Oula, alors là, attends, ils sont en train de se barrer derrière, je pense que s'ils avaient pu gagner, ils auraient gagné. Hein, objectif pour les France, tu auras une belle carte à jouer. D'une part dans ta catégorie, également au niveau du général. Oui, cette année, les chemins de France avancent très très bien, c'est avec beaucoup de niveaux devant, donc on va voir ce qui sera en course. Après, on va être dans les 10, c'est déjà pas mal dans l'espoir, car si je suis dans les 10 en senior, ça va être un peu plus en espoir. Dans les 10 en espoir, je pense que... Ah oui, tu m'as fait peur, là. Parce que là, je pense que dans les 10 espoirs, tu peux signer. Et moi, je pense que ce serait plutôt la médaille d'or au tout du coup. Merci d'applaudir Hugo Hay, s'il vous plaît. Un petit mot de Johan.
Johan, on t'a vu mettre des milles. Moi, je t'avoue, tu m'as impressionné à un moment donné. Il y a Benjamin qui a tenté de partir. Waouh ! Mais là, tu t'es fait mal, j'ai eu l'impression. Bah, c'est l'esprit du cross, c'est avant tout des petites relances, du spectacle. Je pense que même moi, en étant acteur de la course, j'étais aussi spectateur parce que je t'écoutais commenter. Les gens, j'entendais plusieurs personnes sur le parcours nous dire « Ah, c'est beau ce que vous faites à trois. » Donc, faire un peu de choses, c'est le cross-country. Comme il l'a dit, on s'est bagarrés tous les trois ensemble. On a chacun mené notre petit bout de terrain. Il gagne au sprint. C'était appréciable de me faire battre par Hugo aujourd'hui. Moi, l'objectif, c'est avant tout cet été de me battre sur un sprint, mais pour une autre médaille. Et j'espère d'accrocher une belle médaille d'or au championnat d'Europe à Berlin. Et aujourd'hui, c'est du travail pour arriver en forme cet été. Donc là, c'est avec plaisir. Il m'a battu au sprint de belle manière parce que j'ai relancé un peu tardivement, mais je suis pas revenu quand même. Donc non, je ne l'ai pas laissé gagner. Il a gagné à la loyale. Donc c'est beau à lui. Bravo. Merci d'applaudir Johan Koval, s'il vous plaît. Benjamin, on sait qu'on va te lâcher rapidement parce que tu as encore envie d'aller trottiner un petit peu. Benjamin, bien accroché, tu as même essayé de partir à un moment donné. Ouais, j'ai pas pris beaucoup de relais aujourd'hui, mais j'en ai mis une grosse, ouais. J'avais envie d'un peu m'éclater dans les petits zigzags. Non, j'ai noté que c'était une super course. Devant, vous avez quand même qui a fait 5 jeux sur ce type, je ne veux pas l'oublier. Vous avez Hugo qui est la relève du demi-fond français et qui demain sera un petit peu le porte-drapeau du demi-fond français. Deuxième en championnat d'Europe en e-sport, c'est quelque chose, hein, ça vaut un top 10 au niveau européen. C'est quelque chose de formidable aujourd'hui et c'est vrai qu'on a fait une belle course tous ensemble. Le plus important, ça va être dans 2 semaines après, ça va être un grand fait. C'est beaucoup de monde. Ça fait plaisir de voir le cross à l'honneur, même si c'est une discipline qui est un peu en train de disparaître pour le grand public, on va dire. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça fait plaisir. Il y avait beaucoup de monde, super parcours, beau tracé. Et on s'est régalé en tout cas. Et moi, je vous demande de les applaudir tous les trois. Et en plus, là, il me disait super ambiance et un public très chaleureux. Alors, moi, je vais citer uniquement leurs prénoms. Hugo, Johan et Benjamin, applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Allez, départ dans 3 minutes de cette dernière course de la journée avec les Masters. Une moyenne, 4 grandes boucles à parcourir, 9600 mètres. Départ dans 3 minutes. Cérémonie protocolaire de la demi-finale des championnats de France de cross, catégorie espoir. Médaille de bronze Dordogne athlétisme, Manuel Silio. Monsieur Tricot, adjoint au sport de la ville de Poitiers. Médaille d'argent du SBAC, Thomas Herrien. Et la médaille d'or est doublement titrée aujourd'hui au niveau du général et en espoir du Sèvres Bocage AC, Hugo. Le podium espoir masculin et se prépare dans quelques instants. La dernière course de ces demi-finales, le cross des Master of 9600 mètres, une moyenne et 4 grandes boucles.
s'est imposé dans les deux zones. Lionel Pétriarque de l'AS Axin, c'est devant Anthony Zara et Samuel Tchétchen, le SCRS Paris. Thierry Guilbeault du Cognac AC devant Cédric Tournabien et Lionel Roy. Cognac AC Paris. Voilà, le départ des masters qui viennent de s'élancer. Cérémonie protocolaire du classement par équipe Cross Elite Femme. Elle remporte brillamment le titre par équipe avec un total de 82 points. Bordeaux Athlétisme, c'est Émeric Cuisine qui va remettre le trophée. On peut les applaudir s'il vous plaît. Bravo mesdames. Et monsieur Tricot, adjoint au maire, chargé des sports de la ville de Poitiers, va remettre maintenant les récompenses.